Salut, dans cette vidéo, je te montre comment bloquer un prélèvement CIC. Alors, c'est très facile. Déjà, ici, tu as deux options qui s'offrent à toi. Soit tu vas pouvoir faire cela directement sur l'application mobile ou encore sur l'espace client de la banque CIC. Alors, si tu es sur l'application, ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est te connecter sur l'application mobile CIC. Par la suite, ce que tu vas faire, c'est venir cliquer sur l'onglet Carte. Et là, tout en bas de ton écran, ce que tu vas faire, c'est cliquer sur Activer ou encore Désactiver des fonctions. Tout en bas ici, tu vas voir les fonctions activées sur votre carte bancaire s'affichent. Si vous souhaitez désactiver une fonction, cliquez sur la fonction en question et là, un nouvel écran va s'afficher et là, vous allez cliquer sur désactiver. Alors, si vous êtes sur l'espace client, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est vous identifier ou encore vous authentifier sur l'espace client, c'est-à-dire vous allez vous connecter à votre compte. Et par la suite, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur compte courant et là, vous allez cliquer sur l'option carte. Vous allez sélectionner l'onglet Fonctions et là les fonctions activées sur votre carte bancaire s'affichent. Si vous souhaitez désactiver une fonction, vous allez cliquer sur la fonction en question et là vous allez pouvoir également désactiver toutes les fonctions en un seul clic. Et ainsi, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur l'option Paiement. Vous allez désactiver cela sur votre carte et là vous aurez bloqué les prélèvements en ligne sur votre carte CIC Bank. C'est aussi simple que ça.